Ben voilà, c'est beau, Poker 170, je viens de bust 5e du side à 200. Ben voilà, j'ai commencé la journée short, j'ai joué short toute la journée, c'était très difficile. Obligé de boiter avec des mains un petit peu spéciales. Mais enfin bon, j'ai tenu le coup jusqu'à la fin. Alors à un moment, quand on n'est plus qu'à 5, en fait les 4 autres ont un stack monstrueux. Et moi je suis assez short par rapport à eux, donc... Je décide de boiter en petite blinde avec Dame 4 de trèfle où je prends le pot qui est déjà pas mal, les blindes sont à 10 000, 20 000. Ensuite il y a un joueur hyper aggro qui ouvre à 45 000 sur les blindes 20 000, j'ai 150 000 et je suis au bouton avec As-5 dépareillé. C'est vrai que ma main n'est pas énorme mais je sais que devant ce joueur assez agressif, je serai souvent devant sa range de relance et j'ai un petit peu de fold equity, la moyenne est à 300K. Et je décide de boiter avec As-5 et le mec tank pendant 2 minutes, puis décide de me payer 3-7 de pique. Et vient un 7 à la river qui me buste. Et si je prends ce pot, en fait, je monte à 350K quand la moyenne est toujours à 300. Et je passe deuxième en chip. Donc voilà quoi. La fin de ma petite aventure. Maintenant, on va attaquer le 300 en espérant faire aussi bien. C'est déjà pas mal de faire une TF. Et voilà, sinon l'organisation est super. Les caméramans, les photographes qui sont en train de photographier là, c'est génial. Et voilà quoi, super ambiance, beau pays, et magnifique organisation et voilà. Bye bye.